spéciale des 4 ans de la chaîne, et elle est présente aujourd'hui pour un petit test de chance. Je crois que c'est le troisième qu'on fait ou le quatrième. Donc c'est très simple aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une intro qui dure 3 heures. On va faire plein de petits tests pour voir si tu es une personne chanceuse. Ça sera que de la chance, pas de probabilité, pas d'essayer de deviner ce que je vais faire. Je vais tout faire par rapport à la chance. Et on va voir si tu es une personne chanceuse. C'est parti. Ok, alors, on va commencer avec ce premier test. Je pense qu'on va en faire plusieurs et à la fin, on dira si oui ou non t'as réussi le test. Tu me diras de toi-même, on va dire, de ton ressenti, est-ce que j'ai réussi le premier test, est-ce que je l'ai pas réussi, d'accord? Alors, le premier test, c'est très simple. Donc j'ai des cartes de Uno, hop, juste là. Donc j'en ai plein, hop. Tu vas tout simplement devoir essayer de deviner la carte qui sera apparue. Par exemple, là je vais te dire quelle est la prochaine carte entre le numéro 7 et le plus 4. Voilà. Non, là c'était un mauvais exemple parce qu'il faut que je te donne la bonne réponse entre le numéro 7 et le plus 2. Hop. Et tu dois trouver le plus 2, d'accord? Je te donne deux propositions, ça sera que des cartes jaunes comme ça. Il n'y a pas de piège. C'est parti. Allez, on commence. Donc on va le faire une dizaine de fois. Et si t'as au moins 5 sur 10, on peut dire que t'as passé le premier test. Alors la première carte, c'est le numéro 6, d'accord? Donc là, dans le sens, hop, voilà. Ça va éclairer un peu moins, mais hop, voilà. La première carte, c'est le numéro 6. Tu la vois? D'accord. Alors, la prochaine carte est-elle le numéro 7 ou le numéro 8? La prochaine carte, c'est le numéro 7 ou le numéro 8? À toi de me dire. T'es sûr de toi? Ok. La prochaine carte, c'était le numéro 7. La prochaine carte est-elle le numéro 7 ou le numéro 8 à nouveau? 7 ou 8 encore. Quelle est la prochaine carte? Le numéro 7. La prochaine carte est-elle un plus 2 ou un numéro 5? Un plus 2 ou un numéro 5? C'est le numéro 5. La prochaine carte est-elle le numéro 3 ou le numéro 9? Numéro 3 ou numéro 9? Numéro 3. J'aime bien. J'aime bien ce test. Je sais pas, je le sens fluide, j'aime bien. La prochaine carte est-elle? J'aimerais bien qu'on me le fasse. La prochaine est-elle le numéro 8 ou le numéro 6? Ok, on va encore faire 2-3 parce que j'aime bien. Ok, là on a le 6. La prochaine est-elle le numéro 9 ou un plus 2? 9 ou plus 2? 9. La prochaine est-elle, ok, un passe-ton-tour ou un numéro 8? Le passe-ton-tour ou un numéro 8? Numéro 8. La prochaine, numéro 4 ou numéro 8? Numéro 4 ou un autre numéro 8? Ok, il nous en reste encore, allez, 3. La prochaine est-elle le numéro 5 ou le numéro 6? Le numéro 5 ou le numéro 6? Numéro 5. L'avant-dernière est-elle un passe-ton-tour ou un numéro 3? Un passe-ton-tour ou un numéro 3? Numéro 3. Et la dernière, le tout pour le tout. Est-ce qu'on aura enfin le passe-ton-tour ou est-ce qu'on aura le numéro 0? Le passe-ton-tour ou le numéro 0? C'était le 0. Ok, c'est le premier test. Alors là, tu vas me dire, est-ce que pour toi, tu estimes que tu as réussi ce premier test et que sur ce premier test, tu as eu du flair ou de la chance? C'est toi qui vois, t'appelles ça comme tu veux. J'ai bien aimé ce test, très honnêtement. C'est un classique, mais j'ai bien aimé. En plus, la façon dont je l'ai fait, hop, hop, et dévoilement, c'est classe, quoi. Je dévoile la carte, tac, avec un peu de suspense et tout. Bon, c'était stylé. Ok. Donc, tu l'as réussi ou pas? D'accord. Très bien. On va faire un deuxième. Donc, on va rester sur les mêmes bases. Hop. On va refaire des
Ok. Donc c'est entre chaque test, on va faire le tout pour le tout, le bonus, tout simplement. C'est-à-dire que je vais compter aléatoirement de 0 à 10, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ton objectif, tu vas me dire un nombre, un chiffre entre 0 et 10, qui peuvent être 0 et 10 aussi. Et ben, ton objectif, c'est que je m'arrête au numéro que tu auras choisi. C'est ce qu'on fera entre chaque test. Voir si tu arrives à avoir le petit bonus en plus des tests. Ok? Ce serait marrant que tu aies les bonus, mais pas les tests. Enfin, ce serait marrant que tu n'aies pas les bonus et que tu aies nul sur les tests aussi. Ok, c'est parti. Alors, je vais te demander de me dire le numéro que tu as choisi. Ok, ou de le garder dans ta tête, mais choisis bien un numéro entre 0 et 10, 0 et 10 inclus. Je vais compter. Et si je m'arrête sur ton numéro, ça sera le bon. Je m'autorise à compter potentiellement deux fois de 0 à 10. Donc voilà, c'est parti. 0. Pour montrer que c'est vraiment un test de chance, je vais prendre une des cartes du Uno. Ok, c'est parti. 0. 5, 6, 7. Ça doit dire 1 ou 0, c'est perdu. 3, 4, 8. Le 8? Ah, ok. Alors, on va faire tout de suite le deuxième test de chance. Très simple. Alors, donc ça va être un peu les mêmes bases. Hein. De toute façon, ça va être le même délire, chaque petit test va être à peu près le même délire. Donc on va avoir des petits trucs. On va se concentrer sur les lettres pour l'instant. Donc on a la lettre H, la lettre R, la lettre T, la lettre S, la lettre Z, la lettre W. Donc très simple, je vais te demander de choisir entre une des deux, entre une sur trois, entre deux sur trois. Je te demande, voilà, on va voir si tu arrives à avoir. Pour l'instant, très simple. Je te montre deux lettres, t'en choisir une. Et voilà. J'en choisis une avant que tu la choisisses. Hop. Je prends les deux au hasard. Hop. Ok. Ok. Alors, on a le H et le R. Le H et le R. Je vais faire ça et je vais en sortir qu'une des deux. Ça sera la bonne. Tu choisis une des deux. Entre le H et le R, laquelle des deux pour toi est la lettre gagnante? Ok. La lettre gagnante était. J'adore ce suspense. Le R. T'as choisi le R? Ok. Si jamais t'as réussi et t'as choisi le R, tu peux continuer. Sinon, tu passes ton tour sur ce test et tu feras le prochain, d'accord? Donc si t'as choisi le R, on continue. Je vais t'en montrer trois. Tu vas en choisir une. Alors entre le. Si t'as pas réussi, ce sera le prochain sera pour toi. Entre le T, le S. Et le H. T, S et H, tu vas en choisir une. Il n'y en a qu'une qui est bonne. Entre le T, S et le H. Ok, quelle est la bonne? Ok, on va voir laquelle c'est. Non, c'est pas le H. C'était le S. Ok, si lors du premier test, t'as perdu une chance sur deux, je vais te donner l'occasion de te rattraper. On va t'en montrer trois et tu vas en choisir deux. Et il y en aura deux qui seront la bonne. Donc là, vraiment, si t'as pas juste, c'est que t'as vraiment pas de chance. Donc on a le T, le W et le Z. Le T, le W et le Z. Je vais te demander d'en choisir deux. Voilà. Tu vas en choisir deux. Il y en aura deux qui seront la bonne et une qui sera la mauvaise. Faut juste pas que tu tombes sur la mauvaise. Ok. Non, on va faire plus simple. Il y en a une seule qui est la bonne, mais tu vas avoir deux chances, deux opportunités, d'accord? C'est parti. Donc tu vas choisir deux lettres. Et normalement, les probabilités, tu as deux chances sur trois d'avoir juste et de tomber sur la bonne. Ok, choisis deux lettres. C'est parti. Alors, la bonne lettre n'était pas le W. Ce n'est pas le W. Déjà, si tu n'as pas cho si t'as choisi le Z et le T, tu as déjà gagné. Si tu as choisi qu'une des deux, suspense. La bonne lettre était
Le Z. Ok, est-ce que t'as eu juste ou faux? Ok, je te laisse l'opportunité de faire un tout pour le tout. D'accord. Donc tu as vu les couleurs qu'il y avait. Maintenant, on va se concentrer sur les couleurs. Donc il y avait le jaune, le violet, le bleu, le orange, le rose. Et il y a notre orange, donc on va se concentrer juste sur ces cinq-là. Ok. Donc maintenant, on va faire les couleurs et ça va être un vrai hasard. Je vais prendre les yeux fermés. Donc, entre le violet et le bleu. Entre le violet et le bleu, quelle est pour toi celle que je vais prendre au hasard en fermant les yeux? Ok, celle que j'ai pris est celle-là. Est-ce que c'est celle que tu as choisie? C'était le violet. Ok. Entre le jaune et le rose. Le jaune et le rose. Laquelle des deux je vais prendre? Ok, je vais mélanger. Hop, je mélange. Tu vas en choisir une. Choisissant une. Ok, celle que j'ai prise, c'est celle-ci. Est-ce que c'est la bonne? Choisissant une. Rose ou jaune? C'était rose. Ok. Et on va faire un dernier test sur ça. On passera au suivant. Donc on va tous les faire. Rose, violet, jaune, orange et bleu. Je les ai toutes dans les mains. Tu vas en choisir une. Il y en a une seule qui est gagnante. Ok. Donc on va voir. Je vais en poser une au hasard. Ça sera, elle sera pas gagnante. Alors choisis celle que tu as choisie, c'est laquelle? Ok. Celle-là, j'allais l'enlever, mais je lui laisse une petite chance. Ok, celle-là, cette couleur. Si tu as choisi cette couleur, t'es éliminé. Sinon, ça continue. Si tu as choisi cette couleur, t'es éliminé. Je regarde si on voit bien. Ok, si tu as choisi le violet, t'es éliminé. Si tu as choisi cette couleur, tu es éliminé. Entre ces deux couleurs, j'ai les yeux fermés. Si tu es éliminé, bah, tu peux en choisir une des deux pour l'honneur, même si tu, ça ne comptera pas comme une victoire. Et si tu as encore ta couleur là, ça va jouer maintenant. Je te donne l'occasion de changer. Si jamais je m'adresse à seulement ceux qui ont encore leur couleur disponible, je te donne l'occasion maintenant de changer de couleur. Est-ce que tu le fais? Et si tu le fais, tu peux le faire. Ok. Alors la bonne couleur était... La rose. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Ok, alors est-ce que lors du deuxième de ces trois tests qu'on va faire, est-ce que tu estimes que tu as eu de la chance sur tes tests et que ce test est réussi? Ok. Ok. Alors on va en faire un deuxième bonus toujours entre 0 et 10. Maintenant on va faire entre 0 et 20. Très simplement, je vais compter une seule fois entre 0 et 20. Tu vas choisir un chiffre entre 0 et 20. 0 et 20 inclus. Je vais compter très doucement. Et si je m'arrête sur ton numéro, c'est que tu auras bien choisi. Ok, je vais en prendre un au hasard. Hop. Je vais en prendre un parmi les cartes. Je vais prendre deux cartes. Donc si c'est deux numéros, je vais les additionner. Si c'est un numéro et un plus 2 ou un numéro et un passe-ton tour, je prendrai que le premier numéro. Donc ça peut vraiment être 0 jusqu'à 20. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon, j'ai choisi un numéro ou un chiffre entre 0 et 20. C'est parti. Dès que je dis ton chiffre, c'est qu'il est éliminé. 0.
délire à chaque fois. Donc je vais prendre deux objets avec lesquels je vais faire des triggers. Comme ça, ça permettra de faire des petits triggers avant de s'endormir, avant de quitter cette magnifique vidéo. Et tu vas choisir un des deux objets que j'aurai choisi. Et celui qui continuera à triggerer sera le bon. Ok. Donc, on va avoir ces deux stylos. Un bleu, un rouge. Je vais les triggerer. Et celui que je continue à triggerer, ce sera le bon. Ok, je vais te demander de choisir un des deux. Ok, on va voir si je continue avec celui que tu as choisi. Pardon. Tu avais choisi le bleu. D'accord. Ok, on va prendre deux autres triggers. Ok. Alors, on va prendre ces deux-là. Et pour que ça soit vraiment un hasard, je vais encore utiliser les cartes de Uno. Ok. Nombre impair. Je choisis un des deux impair. Et nombre impair, c'est le bon. Nombre pair, voilà, comme ça. C'est sûr, c'est du hasard. Ok. Pair, impair. Ok. Ok. Donc, on a entre le petit pinceau et la petite agrafeuse. Je vais triggerer les deux en même temps. Et tu vas choisir une des deux. Alors, est-ce que tu peux choisir une des deux? Sur ton choix. Ok, c'est parti, on va triggerer les deux en même temps. J'aime bien. Avis à toutes les personnes qui me regardent. Si vous avez une chaîne YouTube ASMR, faites la même vidéo que moi. La même. Comme ça, je pourrais la regarder. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, faites la vidéo et envoyez-la moi en privé. Comme ça, je vais kiffer. Ok. Genre, je ferai un test de chance en live. Ça doit être une dinguerie. Donc, on en fera un aussi. Ok, donc, on va prendre deux nouveaux triggers. Je vais prendre le hasard. Ok. Ok. Donc, hop, on aura celui-ci et celui-ci. Donc, c'est deux paires de ciseaux. Paire impair. Ok. Ok. Entre la paire de ciseaux rose et la paire de ciseaux bleu. La paire de ciseaux rose et la paire de ciseaux bleu. Rose ou bleu. Laquelle des deux tu choisis? Je vais triggerer celle que je trigger le plus longtemps à gagner. Ok, c'est parti. Je te laisse une dernière chance de choisir, d'échanger. Ok. C'était le rose. Ok. Avant de se quitter, on va faire le dernier bonus. Le bonus ultime. Je t'ai demandé de choisir un nombre entre 0 et 50. Entre 0 et 50. Ok. 0 et 50. D'accord. Ok, je vais penser à un nombre dans ma tête au hasard comme ça. Le premier qui m'est... Voilà. J'en ai un qui m'est venu au hasard dans ma tête. Au hasard. J'en ai un qui m'est venu au hasard. Et je vais te demander tout simplement de choisir un des deux. J'ai beaucoup soft-spokené dans cette vidéo, je me suis même pas rendu compte. Ok, j'en ai un. Est-ce que je vais te demander de choisir un numéro entre 0 et 50? 0 et 50 sont inclus. D'accord. Ok. Donc, déjà, donc j'ai le mien en tête, est-ce que tu peux me dire le tien? D'accord. Déjà, tous les numéros compris entre 0 et 20, éliminés. Les numéros compris entre 40 et 50, éliminés. Donc vous avez perdu. Il reste
laisse une dernière chance de changer ton numéro si tu es encore dans la course. Et je vais compter tout simplement en commençant par le dessus cette fois-ci. Tu veux changer ton numéro? Non? Ok. 39. 38. C'était 38. Ouais, j'ai pensé, je sais pas pourquoi, 38 est venu dans ma tête et j'ai pensé au 38. Voilà mon ami, c'est la fin de cette vidéo. La LTA était présente dans ce mois des 4 ans, c'était un plaisir. Moi, comme tu l'as vu, j'ai kiffé. J'ai kiffé la vidéo. Je pense que le prochain test de chance que je fais, je ferai le test en même temps que toi. Par exemple, les cartes, je les mélangerai pour pas savoir la suite. C'était trop bien. Bon, je te fais de gros bisous, bébé. J'allais dire bébé. Je te fais le gros bisou, mon ami, dans le respect et la politesse. Et bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dans ce mois des 4 ans. Une vidéo tous les deux jours, que des vidéos de plus de 20 minutes. Une dinguerie, si je l'ai pas encore dit. Merci pour les 18. Abonnés, on est 18 000, c'est incroyable d'être 18 000 sur le mois des 4 ans, c'est assez ouf. Je me rappelle encore quand on fêtait les 1 an d'anniversaire, où on fêtait les 2 000 abonnés. Là, on est 18 000, c'est magnifique. Gros bisous, les amis, on se retrouve.